C'est vraiment la Chine. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, enjaillez-vous d'abord le son du moment. Voilà. Écoutez, c'est avant qu'il me prononce certaines choses. Ça va être deux jours. Il te veut du mal, oh. Tu es gentil, sans méchant. Toi-même, tu comprends rien, oh. En réalité, la réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière qui domine le cœur noir, oh. Ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé, élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé, toi, tu seras élevé. Entre nous qui grûmes et vous qui doutez, lequel a eu raison? Kérosène équilibre, Kiki Benzeni, Molaré. Souvent la méchanceté des hommes te fait tellement mal que tu n'as même plus envie d'aider quelqu'un. Pendant que tu fais des efforts pour que le bon y avance, ils font tout pour que tu tombes, mais toi, tu veux. Toi, il faut les ignorer. Toi, pour que tu tombes, mais toi, tu dois les ignorer. Envie Lucien, faut pas avoir peur, rien ne peut t'arriver. Ta mission sur cette terre, c'est Dieu qui a tracé. Et même ils vont le constater. Papa sans discours, tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Ino Pride, tous ceux qui t'ont. Voilà, Gina, ça va, non? Ok. Voilà, Chine. J'espère que ça va. Voilà. C'est toujours Momo, vous me connaissez. Momo de la Brubruli Family. Quand c'est Pouyou, c'est Payabra. J'espère que tout le monde va bien. Je sais que vous avez manqué. Voilà. C'est le seul vidéoman à l'Ela d'Arafat qui vous met zo, qui vous fait comprendre certaines choses et qui parle, que vous entendez. Qui a des vrais sons pour vous. C'est pas les oiseaux là. Ouais, un peu. Voilà. Ce qui est là ce matin, je vais m'adresser à vous parce que. J'ai constaté qu'il y a certains fanatiques qui veulent abandonner le combat, qui veulent abandonner certaines choses. Voilà, parce que je ne vous sens plus. De la manière, les CD sortaient, de la manière, ça commandait, ça ne commande plus comme ça. Voilà, donc la Chine, je vous exhorte à continuer à acheter, continuer à streamer, surtout acheter l'album. Si on a eu le 10 dollars, vous allez voir, il y a les artistes là, ils ne vont plus avoir de nom sur nous. Parce qu'aujourd'hui, là, quand les artistes veulent nous insulter, là, ils nous disent, faites, votre artiste va avoir le 10 dollars. C'est ce que. Certaines personnes nous prennent ça pour nous insulter. Vous voyez un peu. Donc, vous devez faire l'effort pour qu'on ait le Dix d'or. Vous devez faire l'effort pour acheter les trucs. Voilà. Maintenant, concernant le cas d'Universal, il y a certains fanatiques qui ne sont pas au courant. On dit pourquoi Universal traîne, fait sortir les sons d'Arafat. Pourquoi Universal fait ça. Pourquoi Universal fait ça. Il y a vous dit une chose, la Chine. Certaines personnes le savent. Ils savent. Mais ils ne veulent pas parler ça aux gens. Ils ferment leur bouche dessus. Parce qu'à la base, ce n'est pas des fanatiques. C'est des gens qui sont venus se faire voir. Vous savez, Arafat, c'est quelqu'un même, il avait une étoile. Quand tu te frottes à lui seulement, là, il faut savoir profiter de son aide. Mais quand tu es bête, tu ne sais pas en profiter de l'étoile d'Arafat, tu deviens mendiant, tu deviens commandeur, tu deviens un fouteur de merde ou un but. Voilà. Arafat était avec Universal. Universal, là, quand ils ont signé Arafat, quand ils avaient sorti l'album, là, c'est que vous ne saviez pas, là. Arafat Universal a payé tout le jet d'Arafat. Tout le jet d'Arafat là, Universal a payé à Arafat. Donc maintenant, Arafat c'était nous les fans, maintenant on devait acheter l'album pour que le jet d'Universal sorte. Maintenant, eux vont maintenant communiquer les différents trucs. Même si on a eu le 10 dollars, Universal ne va pas communiquer. Parce qu'eux attendent d'abord, eux les agents qu'ils ont donné, ils ont payé. Au contraire, c'est Arafat même qui doit à Universal. Moi, je vous dis ça, vous ne savez pas. Arafat doit à Universal, vous ne savez pas. Pourquoi Kong ne sort pas? Pourquoi Kong ne sort pas? C'est ça le problème. On doit faire une réduction pour que ça sorte. Mais les séries qui sont là, depuis là, ça ne sort pas là. Mais Arafat doit Universal. Il faut qu'on continue d'acheter, on continue de streamer
Si on finit de payer la dette qu'Arafat doit à Universal, là, vous allez voir, concernant le cas d'Ixola, même si on a eu le 10 dollars, ils ne vont jamais se prononcer dessus. Parce que Arafat doit. La Yerogang ne peut rien faire dans ça. La Yerogang, là, c'est un petit. C'est comme maison dans maison. Ou un peu. Voilà, la grande maison, c'est Universal. La Yerogang, c'est un petit trou pour Arafat à côté. Ou un peu. Donc là, c'est ce qui est là, qui est là. Universal, même si quand on est prêt, c'est là, ils vont travailler contre, ça ne peut pas sortir. Parce que Universal attend des revenus. Ils attendent ce que Arafat les doit. Mais si nous, les fanatiques, on ne bouge pas nos fesses. Si nous, les fanatiques, on ne bouge pas pour acheter les mouvements. Mais ils ne vont pas faire sortir. Ils vont garder. C'est comme ça. Voilà pourquoi ils affichent, ils n'aiment pas afficher les chiffres. Parce que s'ils affichent là, ils vont dire quoi? Même si on arrive à 50 000 ventes là, est-ce que vous avez le courage encore d'acheter? Non. Est-ce que vous avez le courage de streamer? Non. Vous avez dit, oh, on a gagné le 10 d'or, c'est fini. Hop, toi là. 50 000 CD, c'est vrai, mais eux, ils ont payé le jet d'Arafat. Si on vous dit que par album, là, Arafat a au moins 1 euro, est-ce que vous allez croire? Si album, là, Arafat a 1 euro, tu vois, c'est les informations que vous ne saviez pas. Voilà, donc moi, en tant que le porte-parole de la Chine et le président de tous les fanatiques du monde, même s'il y a des petits jaloux à côté, ça fait rien, je vous dis, laissons les tralala, arrêtons d'attaquer Universal. C'est sa maison de production. Voilà, ils savent ce qu'ils font et ils travaillent. Le président partout en train de travailler eux. Le manager Ano Jaguar en train de travailler eux. Voilà. Donc là, ils vont trouver un terrain d'entente par rapport au 26. Le 26 là, ça, le festival sera 2 jours. Ils vont faire le festival 26-27. Donc pendant le festival, s'ils ont trouvé un accord avec Universal, Universal va prendre des CD ici pour envoyer là-bas. Là, ça va compter. Des CD d'ici, ça sera commandé ici, ils vont envoyer et ça va comptez, vous voyez un peu, dans la Chine, continuez le combat, je ne vous sens plus dans mon PV, hein, les photos, les vidéos, des achats, c'est ce qui est important, vous voyez un peu, c'est ce qui est important, donc, continuez à faire votre travail, continuez à faire le devoir d'un Chinois, vous voyez un peu, voilà, maintenant, concernant le cas Vegedream, je vais me prononcer dessus, concernant le cas Vegedream, bon, il y a certains Chinois qui disent que non, eux ne veulent pas Vegedream, parce que du vivant d'Arafat, Vegedream ne l'a pas aidé, nanani, nanana, les gars, laissons tout ça là. Moi, je demande pardon à tous les artistes qui veulent nous aider à avoir le 10 d'or. Venez. Vous voyez, non? Venez. Voilà, venez. La Chine, à la Lua, on est en train de partir. Si on doit repousser tous les artistes pour dire on veut pas Lula, on veut pas Lula. Moi, nous-mêmes, là, on peut faire quoi même? Nous-mêmes, là, on peut faire quoi? Tiens, on a l'aventure, on veut se chercher. Hein? Ceux qui sont déjà bien placés à Benghazi, qui sont prêts à aider la Yerogang, qui sont prêts à aider le travail de tous les membres de la Yerogang. Vous encore vous levez? Non, on veut pas Vegedream, on veut pas Lula, il n'a pas fait quoi du vivant d'Arafat? Si on veut regarder ça là, les amis d'Arafat qui étaient avec Arafat, du vivant d'Arafat, ils ont fait quoi pour Arafat? Après sa mort là, ils ont fait quoi? Même ces amis qui marchaient Lula même là, du vivant d'Arafat, ils ont fait quoi pour Arafat? Eux le suivaient comme mouton. Quand on veut parler de ça, il y a les morts bâtards qui ont ça dans les salons, venir dénigrer les gens. Mais lui, il arrive sur lui. Ouais non? Voilà. Moi mon rôle là, moi c'est pas parce que moi je vous dis sur la Chine, c'est pas parce que j'aime pas lire le code. C'est pas parce que j'aime pas Ivan Trésor. C'est pas parce que j'aime pas tous les membres de la Yerogang. J'ai tous leurs numéros. J'ai leurs numéros. Mais je tape pas ma poitrine. Je les ai jamais appelés. Voilà. Je les ai jamais appelés. On dit qui aime bien, châtie bien. C'est parce que je les aime. Je veux que Nora se mette au boulot pour faire le truc pour que la Yerogang ne meure pas. Pour ne pas que les œuvres de mon vieux Moro Arafat ne meurent pas. Ouvre un peu. Voilà. Donc. Quand souvent je sors, je dis des propos, si les membres de la Yerogang, certaines personnes ne comprennent pas ma philosophie. Ouais. Quand nous, on vient insulter les autres artistes là, ils n'ont pas fans. Et les artistes se fâchent. Ils ont fans. Ou bien, mais, si moi-même je dis aux gars de la Yerogang de se mettre au boulot, ils doivent se mettre au boulot. C'est ce que nous on veut. Nous, on n'a rien contre la Yerogang. Voilà. Qui dit la Chine dit Yerogang. Donc là, tout ce que nous on veut là, la Yerogang n'a qu'à se mettre au travail. Voilà. La Yerogang là, il y avait des artistes dedans. Il y avait des artistes dedans. Mais les artistes de la Yerogang deviennent quoi? C'est ça! Ben, on ne peut pas actuellement laisser les mouvements d'Arafat se concentrer sur les artistes de la Yerogang. Maintenant, comment maintenant s'occuper des artistes de la Yerogang? Ça, c'est le rôle du manager. Les artistes de la Yerogang ont chanté, plaisent, ont chanté tout dernièrement là. Mais on fait quoi pour les lancer? Quels sont les programmes pour les lancer? Quand on veut faire un mouvement, un seul là-bas, il met ça dans le checker. Quand on fait un mouvement, un seul là-bas, il gâte le mouvement. Mais à la louche, ça s'en va là. Mouvement d'Arafat là, ça a déjà. Si vous ne restez pas tranquille, si vous ne restez pas positif dans la tête, si on reste là en train de dire lui il est bon, lui il n'est pas bon, lui il est bon, lui il n'est pas bon là. Mouvement de Yoro va s'éteindre.
Voilà. Il est préférable que on marche ensemble, qu'on marche en rang dispersé. Vous voyez un peu? Voilà. Il est préférable qu'on marche ensemble, en rang dispersé là. Ça n'arrange personne. Voilà. Dans ma vidéo passée où je me suis adressé à TV3, à Maman Félie, tout ça là, c'est parce que je veux qu'ils travaillent bien. Je veux pas qu'on soit dispersé. Voilà pourquoi il les a attaqués. Ou bien, maintenant quand Maman Félie m'a expliqué, mais est-ce que je parle d'elle encore? Moi, je la félicite souvent. De faire ça, maman, lui a dit. Maman, lui a dit. Moi, je peux faire tout un moment que tu fais là. Moi, je peux t'aider dedans. Parce que quoi? Tu fais moi pour promouvoir mon Europe. Le reste, moi, ça ne me regarde pas. Maintenant que tu es dans la philosophie de Europe, moi, c'est toi. TV3, il avait nous trouver dans un mouvement. Il avait nous trouver les gens dans un mouvement. Normalement, là, il devait laisser ses palabres avec Tiesco le Sultan. Venir faire le mouvement. Après le mouvement de Europe, maintenant, là, tu as réglé ton mouvement en soumerelle en derrière. Si tu aimes vraiment ton frère là, tu ne devrais même pas te mettre dans un moment de règlement de compte avec Tiesco. Moi, c'est dans mon moment qui était là. Laissons les palabres d'en avant, Allons à l'essentiel. C'est de ce que je parle. Allons à l'essentiel. On est là, non. Tu insultes telle personne. Tu insultes. Je n'insulte pas. J'ai dit la vérité. Tu vois, j'ai dit la vérité. Il s'est perdu dans la scène. Tout ce qui est mal. Depuis que j'ai perdu, tout ce qui est mal là, c'est pourri. Donc, tout ce qui sort de ma bouche est pourri. Voilà pourquoi ça fait mal. Ou un peu. Voilà. Donc, c'était un peu ça. La China. Travoyons. Quand un Chinois doit travailler là. Achetons. Continuez à commander vos CD. Si vous avez besoin de numéro où on commande là, c'est Maman Fille là ou là-bas. Faites-moi signe. Elle va vous donner son numéro. Elle va faire les mouvements. Elle va vous envoyer son mouvement. Elle va vous envoyer vos trucs. Tranquille. Il n'y a pas de discours dedans. Ton âme ne serait pas mangé. Ton âme ne serait pas bouffé. Ouvre un peu. C'est ça qui est important actuellement. Ouvre un peu. Voilà. Et puis, il paraît que Rentemplant a fait une vidéo pour attaquer un peu la Chine. La Chine, ce que moi je peux vous dire, je vous ai dit Rentemplant, ne le calculez pas. Rentemplant, il est fermé. Tu vois, non? Rentemplant, il est fermé. Rentemplant, vous voyez là, il est fermé. Ces fanatiques-là, ils ne savent pas faire le mouvement. C'est nous. Donc, quand nous, on parle de lui, quoi, ça le plaît. Ne rentrez pas dans le jeu de Rentemplant. Il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut. Il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut. C'est le seul artiste au monde qui fait concert. Même comédien fait vidéo pour le soutenir. Ouais, même mendiant fait vidéo pour le soutenir. Même politicien fait vidéo pour le soutenir. Ça vous dit quoi? Le poteau est déjà clair. Il faut faire des mouvements quoi, pour inciter les gens à venir. Quand il y aura fait un concert là, père à son âme, est-ce qu'on a besoin de tout ce tapage? On a besoin de tout ce tapage? Non. On se fait confiance. Ou bien, voilà. Donc vous devez comprendre que non, tellement le poteau est bien dessiné, il demande à l'aide. Ouais, Gohou va venir faire vidéo pour dire. Gohou va laisser son parlement de riz pour aller dans un concert de 15 sons. 15 ans, 15 sons. Il va chanter quoi? Ah, apprenons à se respecter. Mais puis quand on parle, il y a des bâtards qui disent que les Inos B, là, il y a des artistes qui ont un son qui vient à Abidjan. Mais ils ont un album. Quand ils finissent de faire l'album, là, ils font sortir un son pour accompagner l'album. Mais Deschegou va à quel album? Rentemplant à quel album? Rien. Chaque un an, un son. Vous êtes venu comparer des vrais artistes à un Rentemplant. Dans la Chine, calmez-vous. Rentemplant n'est même pas important. Ou un peu. Voilà, il n'est pas important. Ce qui est important là, préparez-vous au festival qui va se passer le 26 et le 27. Voilà, le 26 et le 27. La Chine, tous les artistes qui ne vont pas soutenir le mouvement 10 dollars qu'on est dedans, après nos 10 dollars, on doit les babou. Tous les artistes qui vont nous soutenir dans le 10 dollars, après nos 10 dollars, par reconnaissance, on doit les soutenir. J'espère que je me suis fait entendre. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Maintenant, concernant le cas universel que vous expliquez là, c'est ça qui est là. Voilà, c'est ça qui est là. Mais aussi, je vais vous dire un truc aussi. Si le Vemoro Yoro même que j'ai appris par rapport à l'UMO là. Là-bas, le Vemoro Yoro, il s'est moqué de nous. Il a joué avec nous. Mais ça, c'est dans ma vidéo de demain. Je vais vous parler de ça. Voilà, je vais vous parler de ça. Il est mort, c'est vrai. Mais il faut qu'on se dise certaines vérités. On se dise certaines vérités pour que dans le couplet décalé là, ils arrêtent de jouer nous nos gammes. Ou non, il faut qu'on arrête de jouer à un nos gars. Non, c'est faire des ennemis. Oh, pourtant, eux à la base, ils ne sont même pas en discours. Pourtant, eux à la base, ils ne sont pas en discours. Voilà, donc, sinon, les marionnettes. Demain, là, je vais parler de ça tranquille. Voilà, demain, je vais parler de ça tranquille. Voilà, ça, c'est spécialement Arafat et Papa Najuda Moula. Voilà, donc, c'est comme ça. Maintenant, je vais terminer ma vidéo. Parce que la personne n'est pas important. Ou un peu. La personne n'est pas important. Je vais terminer ma vidéo. C'est un petit énergumène là. Un petit qui ne savait pas qu'il allait venir en France. Qui ne savait pas
qu'il allait venir jouer en Europe. Dieu merci, la Libye est en promotion. Il est venu, il est arrivé en Europe. Maintenant, par manque de boulot, il ne travaillait pas. S'est lancé dans les mois des vidéos. Dieu merci. À la fois, c'est quelqu'un, il est bien. Yoro, t'as vu. T'as fait le mouvement, ça t'a lancé. Mais, Yoro, t'as vu, il t'a lancé où? Ça change quoi dans ta vie? Tu manges tous les artistes de Côte d'Ivoire quand ils viennent à bien sûr. Ça a changé quoi dans ta vie? Tu as un numéro de même Alassane dans ton téléphone là-haut. Ça a changé quoi dans ta vie? Tu dors toujours au salon. Ça a changé quoi dans ta vie? Rien. Tu vois, toi, tu es un petit, tout simplement, tu es un petit jaloux. Voilà. Tu as été toujours jaloux de tous ceux qui font les vidéos pour Arafat. Tu as été toujours jaloux parce que tu te dis quoi? Faut pas, ils vont venir prendre ta place. Je ne sais même pas c'est quelle place tu réclames, même sur les réseaux sociaux. Je ne sais même pas c'est quelle place tu cherches. On y vient parler. C'est argument contre argument. Viens parler. Si tu sais parler, tu as parti. Moi, ma page Facebook, il y a créé, mais ça vaut même pas un an. Déjà, il y a 12 000 abonnés. Toi, ça vaut 100 ans, tu es sur Facebook. Tu as 9 000 abonnés. Ça veut dire quoi? Tu es nul. On n'est plus au stade. On n'est plus au stage où on insultait maman des gens. Les gens veulent écouter des personnes qui ont des idées. Oh, moi, j'ai des pactoles d'idées. Même Makoso, quand il fait mes vidéos, il prend mes idées, il regarde dans ses vidéos. Même ton TV3, c'est mes idées, il a appris. T'as compris? Voilà, moi je suis pas ton camarade. Moi je suis un cervologue. T'as compris? Voilà, moi je suis pas l'homme qui n'a rien dans sa tête. Moi j'ai toujours des gens qui ont quelque chose dans les têtes. T'as compris? Moi avant de poser un acte là, je consulte d'abord mon groupe, les mamans. Je fais jamais un truc sans l'accord de mon groupe parce que je ne suis pas seul. Je me joue pas les stars envers mes amis. Voilà ton problème entre toi et tes amis. Moi là, et mes amis là, on se comprend bien. Mais c'est quand il y a le manque de respect, je te laisse dans ton coin. Voilà, parce que je respecte. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre aussi me manque de respect. Tous mes amis, ceux qui sont avec moi, ceux qui m'ont quitté, ils savent. C'est parce qu'ils m'ont manqué de respect, il a préféré les laisser dans le coin. Tu as compris ou pas? Voilà, toi et moi, on n'est pas camarades. On ne peut jamais être camarades. Je n'ai jamais cherché à te voir. C'est toi qui as cherché à me rencontrer. Par le bien de qui? Par le bien de qui? Ton ami, Sans Rouge, c'est lui qui m'a contacté. Et j'ai donné le numéro de mon frère Sans. Le créateur de la Broly. Il a donné son numéro. C'est lui qui vous a contacté. Après, ils ont donné mon numéro Jazz. Tu as compris? Voilà. Je ne suis pas allé derrière toi. Tu as compris? C'est vrai. On regardait tes vidéos, mais il n'a jamais cherché à te croiser. Je savais où tu habites. Hein? Il n'a jamais cherché à te croiser parce que tu n'as rien dans la tête. Tu as compris? Voilà. Maintenant, tu as dit une chose que non. Il est handicapé, il a un pied, il cache, il a un pied. Non, man. Moi, tous mes amis qui sont machin, eux, tous les gens qui me voient là, si moi, il ne dit pas que moi, il me suis fait opérer, moi, il me suis fait opérer à la cheville droite là, ils ne savent même pas qu'il me suis fait opérer. Tu as compris ou pas? Toi-même, tu ne savais même pas. C'est le jour où tu as menti sur les réseaux sociaux que toi, tu as fait un accident, et ça, te croiser là. Quand je vois, quand on me dit que quelqu'un a fait un accident là, moi, ça, je me rappelle de mon accident aussi. Ça me fait pitié. Voilà comment, malgré tous les injures, on faisait ça, les salles te croisaient. Tu étais étonné. Je t'ai dit, tu étais chez toi. Mes parents voulaient même pas qu'il est sorti. On m'a fait accompagner de ma petite soeur. T'as compris ou pas? C'est ça, ils allaient te croiser. Quand on a causé, ma petite soeur est rentrée. Et puis maintenant, je t'ai dit dans ma propre bouche que ah, moi-même, je me suis fait opérer aussi de ma chérie. Vraiment, en tout cas, c'est en rééducation. T'as compris? Malgré que je me suis fait opérer, il y a corde dans mon pied. Moi, ils allaient te voir. Malgré qu'il y a corde dans mon pied, ils allaient la répondre à toi. Mais malgré ça, personne ne savait comment on m'avait opéré. Je montais des escaliers, je descendais des escaliers. T'as compris? Voilà. C'est que, contrairement à toi, si moi j'étais un chercheur de buzz là, mon opération, il a fait ça depuis. Arafat, il a fait son Bataclan. T'as compris? Si j'étais un chercheur de buzz là, j'allais m'afficher sur les réseaux pour dire que non, il a fait un accident. Ils allaient m'assister. Des gens allaient m'aider. Forcés, des gens allaient me donner l'argent. Mais je n'ai pas besoin de ça. Moi-même, j'aime pas que l'homme ait pitié de moi. Quand je suis un garçon, je veux me battre pour avoir pour moi. T'as compris ou pas? On n'est pas camarades. Tu as compris? Voilà. Si je cherchais buzz sur ça là, il y a longtemps, il y a fait vrai buzz. Couché à l'hôpital, il y a toutes les photos. Il allait faire buzz. Arafat allait parler de moi. Tu as créé ton faux buzz d'accident à cause de qui? Arafat validait Olbi Prod. Il validait l'imbécile de 100% Bénin Buzz. Il validait tous les youtubeurs d'Arafat. Tu étais gris. Tu étais jaloux. Quand on marchait ensemble, c'est quel conseil je ne te donnais pas? Moi, je n'étais pas div. Toi là, c'est vrai que tu as commencé les vidéos sur les réseaux sociaux. Il faut créer un mouvement où tu seras le coordinateur. Tu t'es dit quoi? Si toi tu fais ça là, tu t'es dit quoi? Si toi tu fais ça là, peut-être il y a des gens qui ont te dépassé. Au fait là, tu es rempli de haine dans ta tête. L'amour maternel tu n'as pas eu dans ta vie là. Hein?
Quand tu arrives en Europe, tu vois les gratte-ciels là. C'est la haine de ça qui déverse les gens. Quand tu vois des gens sont en laisse dans les peaux là, ça te fait mal. Quand tu vois quelqu'un qui fait mieux que toi, ça te fait mal. Quand tu vois quelqu'un qui sait bien s'exprimer que toi, ça te fait mal. Quand tu vois quelqu'un qui a des vraies meufs, ça te fait mal. Toi, ta maman n'est pas la fête de copine, toi et moi. Toi, tu as copine en France ici. Toi, tu as copine en France ici, le salonnier. Toi, tu as copine. Ta copine. Tu viens gâter noir et bintou que moi, j'ai dragué ta copine. C'est pas de ma faute si je suis beau, hein. C'est pas de ma faute si ta maman t'a mal accouché. C'est pas de ma faute si tu es vilain. Est-ce que tu vois, moi, je suis trop maquillé. Tu as vu bagues, les trucs, si moi, les chaînes, est-ce que tu as vu? Je suis léger, c'est toi qui mets Cory en chaîne en direct, tu vas en prison, les bagues. Tu vois, je suis simple. C'est ma simplicité là qui plaît à beaucoup d'hommes. Je ne veux pas t'insulter parce qu'il y a trop de mamans sur ma page. Je ne veux pas t'insulter parce que là, j'ai vu dans quel cadre tu vis. Tu es venu chez moi, tu as vu le salon de mon père. Et puis tu as dit un jour qu'il y a des fanatiques qui dorment chez leur papa. Mais je suis fier d'être chez mon père. Mon père a fait 20 ans en Europe. Plus de 20 ans en Europe. Donc parmi ces 20 ans là, il a travaillé. Avant de venir là, il a réservé ma chambre pour moi. Moi, je suis dans ma chambre. Je ne dors pas au salon. Ma femme vient chez moi, elle dort, elle va quand elle veut. Et puis mes parents sont des Français. Tu as compris? Comment c'est venu là? Attends. Parce que André, parce que souvent, on n'a pas envie de faire des trucs pour te frustrer. Tu as vu, non? Souvent, on n'a pas envie de faire des trucs pour te frustrer. Parce que toi, tu es quelqu'un de frustré dans la vie. Tu vois, non? Tu es quelqu'un de frustré. Voilà. Je vais te montrer quelque chose, hein. Voilà. Faut regarder ça là. Regarde ça là. Ça, c'est Société Cardinal. Ça, c'est où je travaille. Faut taper. Tu vas voir si un handicapé peut travailler là-bas. Faut regarder. Ça, c'est ma société. Société de construction Cardinal. Tu vas voir si un handicapé peut travailler là-bas. Ça, c'est ma carte bleue. Maintenant, ça, c'est ma quarantaine. Ça, c'est ma quarantaine. Tu as compris ou pas? C'est ma quarantaine. J'aime pas parler de ça. Le jour n'est pas tant noisir le siècle là. Le jour n'est pas tant noisir le siècle là-haut. Hein? Tu as monté ta carte bleue. Tu m'as fait honte. Chacun a montré sa carte bleue. Toi, tu as pu monter ta carte bleue. Bande de personnages incongrus. Au lieu de chercher à voir tes documents, c'est toi qui as venu dénigrer les gens. Hein? Faut chercher à voir ça d'abord. Hein? Faut chercher à voir ça d'abord. Avant de te comparer à moi, cherche à voir ça d'abord. Ça là. Tu as compris pas? Cherche à voir ça. Donc, je n'ai même pas fait un an. Mes parents ont déposé mes papiers et puis c'est sorti beau. Tu m'as vu faire bruit de ça? Tu m'as vu faire bruit de ça? Toi, ton papa est ici, non? Pourquoi ton papa t'aide pas à voir tes papiers? Toi, tu es perdu. Tu es perdu, petit. Tu es perdu. Tu sais même pas que moi, mais je peux t'aider à avoir travail. Mais c'est parce que tu es impoli. Tu es mal éduqué. Voilà pourquoi même là, je te calcule pas. Tu as compris ou pas? Voilà. Et puis de grâce. Ma fille là. À neuf, l'affaire de ma fille dedans, ma femme, c'est comme si. Tu as compris? C'est pas de ma faute si je suis beau. Quand toi et moi, on sort dans les coins, les filles sont fans de moi. C'est pas de ma faute. La Chine, je vous dis la vérité, ce mec là, c'est un fils. Parce que quand je suis élu là, les périphériques sont trop borrés de moi. C'est moi là. Mais lui, mais c'est gosse, colle sur moi. C'est ce qui le fait mal. Mais lui, mais c'est gosse, colle sur moi. Parce qu'il le fait mal. Malgré c'est ma mousseau, mais lui, ce gosse se colle sur moi. T'as compris? Voilà, ta Fatim Sama là, elle m'a dragué. Je m'en fous d'elle. Je voulais bouffer son nain. T'as compris ou pas? Voilà, je ne l'ai même pas baisé. Mais elle m'a dragué. Il y a toutes les notes vocales. T'as compris? Maintenant, Bintou là, c'est vrai la Zoyo là, il y allait la Zoyo. Mais il a vu que c'est un truc qui n'est pas bon. T'as compris ou pas? On n'est pas camarades. Voilà, moi, ma femme là, quand elle te voit là, elle rigole. Elle dit, tu es sale. Ma femme, quand elle te voit faire vidéo là, elle dit, tu es sale. Tout ce que tout le monde dit, tu es sale. On n'est pas la même chose. T'as compris? Voilà. Tu es sale. Tu connais rien. Tu connais rien. Tout ce que tu peux dire là. Aujourd'hui, tu as gagné un truc. Tu penses que quand il dit, oh, il est handicapé. Oh. En fait, ça me fait rire. Parce que c'est que moi, je ne suis pas handicapé. Moi, je ne suis pas né handicapé. J'ai fait un accident. On m'a opéré. Dieu merci, l'opération a réussi. Je marche tranquillement. Je vais au boulot. T'as compris ou pas? Voilà. Je te demande encore ma société. Là, tu vas voir. On appelle ça Cardinal. Voilà le nom de ma société. Faut taper. Tu vas voir ce qu'on fait là-bas. Tu vas voir, handicapé ne travaille pas là-bas. Tu as compris? Voilà. Donc, toi et moi là, il y a trop une longueur d'avance sur toi. Tu vois non? Moi, je n'aime pas frustrer les gens. Voilà pourquoi tous mes amis là, ils m'aiment. Ils ne me jouent pas les stars. Il a toujours dit, à travers moi là, voyez Arafat, moi je suis rien, je suis comme vous. Je me lève à 5h, je vais au travail, je viens à 16h. Toi, tu peux faire ça. Toi, tu travailles la nuit. Toi, tu es un souffert ourou. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu seras rien. C'est toi qui veux parler des gens. Toi, tu es un souffert ourou, toi, tu fais quel travail? Tu t'as trop eu ces 600 euros. Ce qu'elle t'a montré là, viens montrer pour toi. Et puis la prochaine vidéo, tu viens tes fiches de paye. Moi, je viens mes fiches de paye. Envoie qui est bien payé. Petit salonnier malheureux, tu dors. Ouais, tu dis chercher ton père. Ouais, chercher ton père, il a compris. Mais tu dors où? C'est au salon. Il a vu vos maisons, comment le cadre est. Il a vu où tu vis. Il a vu comment le cadre est. Aujourd'hui, parce que chef d'état-major à Abidjan, tu es en train de squatter dans sa maison, tu te joues le daéré.
Tu te joues les dingueries. Champion, on n'est pas camarades. Tu as compris? On n'est pas camarades. J'ai pas un enfant, j'ai des enfants. C'est pas de ma faute si je fais des enfants, si les gosses sont fins et je fais des enfants. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si ta maman t'a pas bien accouché. C'est pas de ma faute si ton papa n'a pas bien baisé ta maman pour que tu sois beau. C'est pas de ma faute que non, si tu es frustré dans la vie. C'est pas de ma faute que si dans ta tête, c'est coco, c'est l'eau de coco qui est dedans. C'est pas de ma faute que, non, que tu n'as rien dans la tête. C'est pas de ma faute que tu es un gros jaloux. Voilà, moi là. Tous mes amis qui font les vidéos là, je leur donne un coup de main. Toi, ton ami Lamedini fait vidéo là, tu fais quoi pour le booster? Rien, il s'est débrouillé. En fait, ton cœur est noir. Ton cœur est noir. C'est ce que tu veux pas, c'est ce que tu veux pas admettre. Mais moi, mon fils, là, quand là, j'ai fait les vidéos là, va regarder son compte, il a, lui, il est abonné que toi. Mon compte YouTube là, c'est venu hier, il y a quelque chose de 34 000 abonnés, mais il a masqué ça. Est-ce que tu me vois faire tapage de ça? Non, ça m'intéresse pas, c'est du matu vu. Voilà, j'aime pas mentir pour dire je suis comme ça, comme ça, comme ça, non. Hop, dans la vraie vie, on sait comment on vit. Tu as compris? Voilà, moi c'est vrai, je me suis fait opérer de la cheville droite. Je ne peux pas venir sur les réseaux parler de ça. Si tu me croises, tu vas me dire, ah Momo, rien, tu vas. Tous ceux qui me croisent là, ils vont jamais constater que je me suis fait opérer parce que je marche normalement. Je marche normalement. Tu as venu te masturber, c'est vrai, je me suis fait opérer, mais ça ne fait pas de moi un handicapé. Ou bien je ne vais pas au boulot. Toi, tu travailles, non? Toi, tu es un souffert ourou. Toi, tu ne travailles pas. Tu es un souffert ourou. Parce que la nuit, il n'y a pas de policiers pour contrôler. Tu es un souffert ourou. Tu fais gardiennage peut-être devant un bar ou bien devant un dépotoir là-bas. Toi, si tu as trop eu ces 600 euros. Tu as compris? Voilà. Si tu es trop chef là, dans ta prochaine vidéo là, viens avec tes fiches de paye. Moi, je viens mes fiches de paye. Moi, mes fiches de paye, c'est électronique. Ça vient par 1000 maintenant. Et on n'est pas camarade. Puis j'ai un CDI. Tu viens, si tu as un CDI, tu viens ton CDI. Je viens mon CDI. On va présenter. Ne suis pas ton camarade. Tu as compris? Moi, je suis venu terminer ce que mon papa a commencé ici. Tu as compris? Voilà, toi tu es venu aider ton papa. Ton papa, mais il est perdu aussi. Tu as compris? Voilà, tu as vu dans quel cadre on vit ici. Toujours nos congélateurs avec B. Quand tu viens ici là, quand tu dis ce que tu veux manger, là, on fait ça, on te donne. Petit malheureux affamé. Je ne sais pas chez toi, il y a mangé quoi là-bas? C'est pas juste seulement un but, parce que je sais que vous avez faim. Parce que tu manges toujours grec, kebab. Qui va préparer? Il n'y a même pas de femme dans vos maisons. Vous êtes uniquement des hommes. Vous êtes uniquement des hommes. Qui prépare? Un petit malheureux, quand t'as venu te jouer les dingueries sur les réseaux, par exemple, tu parles, on te calcule pas, personne ne te connaît, tu te joues les stars, tu as numéro de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Mais ça change quoi si toi? Tu as numéro de tous les artistes de Côte d'Ivoire, toi, tu deviens quoi? Si tu étais intelligent là, par rapport à la visibilité qu'Arafat t'a donné, tu devais en profiter pour devenir quelqu'un sur les réseaux sociaux. Mais c'est parce que tu es un idiot, tu es un lâche, tu es un lèche-cuit, tu es un lèche-botte, tu es un andouille, tu es un fripouille. Tu es un enculé. Voilà pourquoi tu es toujours derrière comme fesse. Tous tes amis sont devant toi. Tu comprends ou pas? Tous tes amis sont derrière. Tous tes amis sont devant toi. Tu es derrière comme fesse. Voilà. Donc moi, là, moi, c'est pas ton camarade. Tu comprends? Voilà. Tu dis. La Chine. Le jour du Bataclan d'Arafat. Je vous dis pourquoi c'est pas parti. J'étais hospitalisé. J'avais fait un accident de la cheville droite. J'avais une entorse à la cheville droite. Donc je me suis fait opérer. Voilà pourquoi c'est pas parti. Dans ma rééducation, c'est dans ça qu'il a fait accident. Il manque, il a fait accident. Moi, il savait le voir. Voilà. Il savait le voir. C'est dans ça qu'il m'a vu. Il savait même pas. C'est moi qui lui ai dit, ah, moi, mais il a fait un accident. Il y avait un code dans mon pied. Il a fait faut qu'il s'allait derrière lui. Parce que moi, il m'en fout. Mais il savait qu'un jour, il allait parler de ça. Il savait. Et c'est moi, il m'embrouillait. Donc, ça me fait ni chaud, ni froid. Si j'arrive à partir au travail le matin et revenir le soir, il dit, alhamdoulilah. Si j'arrive à courir pour aller emprunter le métro ou un bus, il dit, alhamdoulilah. Je ne suis pas footballeur. Je ne suis pas footballeur. Au fait, tu es embrouillé. Dieu merci, tu as montré ta face aux yeux du monde entier. Tu as montré combien de fois tu es ridicule. Tu as montré combien de fois tu n'as rien dans la tête. Toujours quand il disait que tu es un gros jaloux, là, les gens ne comprenaient pas. Les gens pensaient que c'est moi, ils étaient contre toi. Mais toi, aujourd'hui, tu as montré ton vrai visage. Tes propres amis. Tu vois que j'appelais tes amis pour leur dire, ah, champion, parler. Vraiment, pour ne pas rentrer dans un mouvement de clash. En tout moment, on est concentré sur le 10 d'or. Il faut qu'on fasse le moins de 10 d'or. Tu penses que c'est pas peur, il a fait ça? C'est pas par peur, hein. Il a fait ça pour qu'on se concentre sur l'essentiel, qui est le dix d'or. Sinon, toi, de toi à moi, toi, tu peux moi me faire quoi? Tu sais où il habite? Quand t'es venu moi me voir là, tu m'as dit quoi? Quand t'es venu me voir à 23h là, tellement il t'a accéléré, t'es venu me voir, tu m'as dit quoi? Quand je suis sorti là, moi, j'ai dit à mes amis m'ont dit, pour pas y sortir. Mais j'ai dit non, si il sort pas là, ce lâche là, ce gros chat là, il va aller dire aux gens que non, moi, j'ai eu peur de lui. Je suis sorti, tu m'as dit quoi? Moi, il riait, mais il était embrouillé, il t'a mis embrouillé. Mais tu sais pas ce qu'il y a ici, moi, si tu essaies là, il y a tes mains à sang. Tu sais pas ce qu'il y a dans ma poche. Moi, il ne fait plus parler à coup de poing, mon petit. Il ne fait plus parler à coup de poing. Donc, chaque jour que tu me vois, tu vois ça sur mon dos là. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. C'est à cause de toi, il me promet tout ça. Si tu n'es pas mis à sang.
Faut dire à ton ami Lambertini ou bien Saint-Rouge, il n'aura pas te donner mon numéro et appelle-moi. Tu me donnes rendez-vous. Tu as compris? Ne viens pas avec. Moi, je viens pas avec quelqu'un. Ne viens pas avec quelqu'un, toi et moi. C'est marqué quand tu vois jeu de foot. Tiens, oya, 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 oya. Ne viens pas avec quelqu'un. Appelle-moi, on va se croiser en huis clos. Tu as compris? Ni mille doux francs. Si moi, je t'ai pas frappé. Mon MP là, il prend ça, il te bat bien franc. On a de ma maman. Tu as compris? Voilà. Prends mon numéro et Lambertini. J'ai changé de numéro, mon numéro free. Prends Lambertini, appelle-moi. Et donne-moi rendez-vous. Il a te montré que non. Il a te montré que non, mon MP là. Ça a te frappé. T'as un gros plaintin. Tu comprends pas? Quand t'es venu me voir, toi, tu m'as dit quoi? Tu n'as pas dit champion. Vraiment, il faut arrêter de m'accélérer. Parce que quand tu m'accélères, toi et moi, on a marché. Tout ce que tu dis là, les gens vont croire. C'est pas ce que tu m'as dit. Et puis, il a dit, ouais, tu as raison. Parce que même si il ment sur toi, les gens vont croire. Maintenant, je t'ai dit quoi en retour? Il t'a dit, s'il veut que je te laisse là, arrête de d'embrouiller la Chine. Parce que la photo, tu as tiré avec Mola. La Chinois n'est pas aimé. La photo, tu as fait Safarel. Les Chinois n'ont pas aimé. Tu m'as répondu quoi? Tu m'as dit, tu t'en fous? J'ai dit, non, tu peux pas t'en foutre. J'ai dit, dans le monde entier, il n'y a pas un Chinois qui a dit, il n'aime pas ton affaire, y compris moi-même. J'aime ton combat. Mais tu es rentré dans un combat qui n'est pas bon. Ressaisis-toi. Tu m'as dit quoi? Tu t'en fous? Moi, j'ai dit, ok, tant que tu vas faire ça, tant qu'il a dit ton vrai nom, c'est dans ça on est. Ou bien, c'est pas dans ça on est. Tu t'as rencontré de n'importe quoi aux gens que toi, tu m'as croisé. Moi, j'ai eu peur de toi. Moi, j'ai dit qu'il aime ton affaire. Mais pourquoi tu es un personnage incongru comme ça? Pourquoi ton cœur est noir envers tes amis même? Cherche à aider tes amis de la Killer Gang qui font les vidéos d'abord là. Cherche à les aider. Là, on va voir réellement si tu as un bon cœur. Toi, tu partages combien de fois les trucs de tes amis de la Killer Gang qui font les vidéos? Zéro. Tu donnes combien? Tu fais quoi pour tes amis qui font les vidéos? Zéro. Quand il marchait, toi là, je t'ai une fois demandé le numéro d'Arafat. Je t'ai une fois demandé le numéro d'Arafat. Parce que c'est ce que tu demandais là. Tu allais dire aux gens que c'est toi qui m'as donné le numéro d'Arafat. Exemple, tu dis aux gens que c'est toi qui m'envoies là, c'est toi qui m'envoies aller voir Arafat. Donc la réponse là, ça appartient à ton père. La réponse Orly là, ils ont mis dessus résident Meïté. C'est pour ton père ou bien c'est pour ta mère la réponse? Ta maman que tu la connais même pas. La réponse là, c'est pour ton père. Quand on partait la réponse là, tu sais combien de fois mes amis m'ont dit de ne pas partir. Mais c'est mon vieux mot, quatre fois par ça qu'il faut partir champion. Comme il t'appelle là, il faut partir. C'est toi qui m'as appelé, je t'ai jamais appelé. C'est toi qui m'appelle parce que tu avais besoin de moi. Arrivé à un moment là, tout le monde t'appuyait sur les réseaux sociaux. Tu avais besoin de moi. Parce que moi là, moi, tu sais, je t'ai dit une chose, tu sais ce qui fait ma force? Parce que j'écoute. Tout ce qu'on dit dans mon groupe, j'écoute tout ce qui est autour de moi, je les écoute et je viens faire les vidéos. Voilà pourquoi quand il dit des choses, les gens disent ouais Momo. Voilà, regarde mes commentaires. Si 100% de commentaires, il y a au moins 2% de commentaires, ils vont m'insulter un peu. 98% là, ça me félicite. C'est pas moi qui le fais le travail. C'est pas moi qui le fais le travail. Il y a Bandito, il y a Lassina Camara, il y a la Kalash, il y a Secrétaire Aïcha. Tu vois un peu? Il y a maman, madame la joie de bouge. Tu vois, mais il y a maman, en fait, elles sont beaucoup. Il y a maman Candice, elles sont beaucoup qui me donnent des conseils. Moi, j'écoute. Contrairement à toi, tu n'écoutes pas. Tu penses que tu es arrivé, tu penses que tu es une star. Autant, tu n'es rien. Tu ne seras rien. Tu fais pitié. Les gens même qui sont prêts à t'aider, à te donner du boulot, à cause de ton arrogance, personne n'est prêt à t'aider. Voilà pourquoi tu souffres, tu cours derrière les artistes. Et nous, dès que tu atteins un tel artiste, si tu cours, tu t'en vas. Ouais, je suis le ministre. Ouais, je suis le temps. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un simple aventurier. Tu viens te chercher, champion. Cherche-toi. Tu n'as rien, c'est toi qui déjoues les grands types. Soirée de Mokobé, mais tu es parti là. Je t'ai dit ça. Tu sais combien de fois ils sont moqués de toi? Ta vidéo dans les portables, ils se moquent de toi. Sur le podium, tu es parti là. Moi, quand Mokobé m'a vu là, je t'ai dit ce qu'ils m'ont dit. Que mes champions sont allés vu là, toi, tu t'exprimes bien. Tu es allé rencontrer ta mère là-bas sur le podium. Tu vois la différence, toi et moi? Tu déjoues les garçons, mais devant fou là, tu n'es rien. Non, je suis le premier fan à partir au Bataclan. Toi, tu peux payer un concert d'Arafat. Les gens ont pitié de toi, on te fait rentrer dans le concert gratuit, tu viens taper ta poitrine. Hein? Quand on est parti au Zouglou, là, qui a payé pour nous? Les femmes que tu insultes aujourd'hui, là. C'est pas ils qui ont payé le truc pour toi, puis tu es rentré. C'est pas les femmes là qui ont payé le truc pour toi, tu es rentré. Tu aimes tout de jeu, les garçons. Et puis on dit encore que non. Qu'au Zouglou, moi, je sais pas, tu me mets devant pour que Arafat m'appelle. Mais pourquoi même là? Pourquoi tu es salopard comme ça même? Pourquoi tu es idiot aussi idiot comme ça? Je filmais le concert que je devais mettre sur ma page YouTube. Je filmais le concert. Je ne pouvais pas rester derrière pour filmer. Toi, tu as donné ton téléphone à quelqu'un pour filmer. Moi, je suis parti seul. Je prends mon téléphone et je filme et je balance ma page. C'est tout. Tu vois que j'ai besoin qu'Arafat dise mon nom dans le micro pour que je sache ce que je suis actuellement. Hein, champion? Moi, je suis en l'aise, hein? Moi, je viens en l'aise, hein, champion? Moi, il n'y a pas de problème, hein? Il n'y a pas de problème. Je mougou bien, je mange bien, je mange au travail bien, je suis à l'aise même dans tous les plans. Voilà, je suis à l'aise dans tous les plans. Contrairement à toi, sexuellement tu es nul.
Jolibilitement, tu es vilain. Tu es nul. Habillement, tu es nul. Tu vois, en matière de style, tu es nul. Tu es nul dans tout. Tu es un vrai gawa. Tu es vraiment un habitant d'Abobo. Tu es un vrai gawa. Tu es nul partout. Tu es nul partout. Un jaloux finit toujours comme un sorcier. Tu comprends ou pas? Sur ce, moi je m'arrête là. Parce que si tu dois partir en profondeur avec toi là, il y a trop de dénigrer. Parce que de toi à moi, on, parce que tu n'as aucun, tu n'as aucune parole à moi me dire qui va moi me toucher. C'est pas ton imbécilité qui a commencé. Ouh, il est Madou Tan. Oui, mon vrai nom en Djoula c'est Madou. Maintenant, si tu peux ajouter Madou Senglé, ça me plaît moi. Ça me plaît. Ouais, moi seulement, moi je t'appelle comment? Le salonné, l'homme aux deux débardeurs. Le salonné, l'homme aux deux débardeurs. Tranquille. Le jour, toi, tu peux prendre maison en France ici. Toi, tu affiches des pays. Tu affiches des pays. C'est pas colocation. Toi, tu peux prendre maison ici. Tu affiches des pays. Tu as bulletin de salaire. Petit malheureux, tu as vu t'asseoir, t'as tapé ta poitrine. C'est tes amis dans ton groupe WhatsApp, tu allais blaguer. Hein. T'as compris? Continue à squatter dans le salon de ton père là. Ton père, mec, il se cherche. Ton mec, tu te cherches. T'as compris? Voilà. Toi et moi, là, on est différents. Tu as compris? Toi et moi, on est différents. Tu as compris? Tu n'as pas vu quand vous dites que vous avez posé plein de moi, ça me fait rire. Là. Quand vous babou là, vous ne voyez pas que ça me fait rire. Vous êtes tous des mercontins. Ils ne vous voient même pas. Vous avez compris? Ils ne vous voient même pas. Je me promène seul. Maintenant, si tu veux toujours te battre, hein, je vous donne toujours mes rendez-vous. Actuellement, là, mon chantier m'a envoyé à Massy-Palaiso. Il est fini les 16h. Viens m'attendre à la gare de Massy-Palaiso. Tu vois là, tu viens seul, hein, viens m'attendre à la gare de Massy-Palaiso. Wallahi Bilay, c'était pas accidenté. C'est ça, t'as savoir que Momo là, c'est vrai, j'aime rire parce qu'il y a un gros cœur, j'aime rire. C'était pas accidenté. Ta bouche, tu fais là, tiens, t'es calmé. Tu as compris? Tu dis, il faut venir tes amis, ils vont nous filmer. On nous laisse nous deux. Voilà, ennemi, pas bien français que mon étiquette, je suis deux de maman pour tomber. Tu as compris? Voilà, j'ai fini de parler. Prends mon numéro de tes amis. Je suis à Massy-Palaiso, Polytechnique. Il y a mon chantier là-bas. Prends mon numéro et tu m'appelles, tu me donnes rendez-vous. Tu es pas venu là, c'est que je suis le plus maudit de ma famille. Histoire, c'est là, en terminé. En finir ça pour une bonne fois pour tout. Un gros aigri, quand tu es jaloux des gens. Je te vois même pas, tu es jaloux de moi. Je te parle. Toi et moi là. Tant que moi tu me respectes pas là, je marche pas avec toi. Ça forçait de marcher avec toi. Je marche pas avec toi. C'est ce qui te fait mal. Tu veux que je sois ton repéro. Moi, je peux jamais être repéro. Moi, on me suit. Moi, je suis pas. Tu as compris? C'est ce qui te fait mal. Tu veux que je sois les gens qui te suivent là, partout. Quand tu me ramènes, ressemble à ça. Moi, il y a une famille qui compte sur moi. Si tu sais pas pourquoi tu es venu en Europe là, moi, je sais pourquoi je suis venu en Europe. Tu as compris? C'est vrai, il fait des trucs pour Arafat, mais je sais pourquoi je suis ici. Hein. Je peux jamais laisser mon boulot pour un truc d'Arafat. Mets ça dans ta tête. Tu as compris? C'est ça qui me donne à manger. C'est ça qui fait que j'aide mon père à faire certaines choses. Tu as compris? Voilà, donc moi, je suis pas venu pour m'amuser ici. Si tu es venu regarder la Tour Eiffel, tu es venu regarder les métros, moi, je suis pas venu faire ça. Hein. Tu as compris? Voilà, cherche à avoir tes documents là-bas avant de parler avec moi. Tu as compris? Cherche à avoir tes documents avant de parler avec moi. Et puis, cherche à avoir une belle femme comme moi. C'est pas de ma faute, c'est une belle femme camerounaise. Tu es jaloux. Quoi, elle est grosse, elle est vilaine comme ça. Elle est jolie que ta mère. Tu as compris ou pas? Elle est jolie que ta mère. Ton père, mais il a vu la main qui ressemble à ma pioche là. Elle est jolie que lui. Mère Contin. Bigoba Lamte César. Bigoba Ibe le créateur. Quatre fois Brassa. Bigoba la Kalash. Bigoba la Sina Kamara. Bigoba maman, madame la joie de bouche. Bigoba mon frère Saint Hakim. Bigoba Choco Mannequin. Bigoba mon patron Ouma depuis Saint-Denis. Big up à Atu, le coiffeur des stars depuis Saint-Denis. Big up à mon Vémoron Rougeau depuis Saint-Denis. Big up à Hamza Ziani, mon pro. Big up à mon grand frère Ahmed depuis l'Italie qui m'a beaucoup aidé dans mes moments difficiles aussi, je ne peux jamais l'oublier. Big up à Deba Lacoste. Big up à Glaza Saint-Denis complet. Et big up à la Brobroli family. Sans oublier tous les mamans qui me soutiennent. Sans oublier toutes les personnes qui me soutiennent. Oh les mamans! C'est un peu déraillé, excusez-moi, mais il fallait que je dise un peu bonjour à cet imbécile-là. Ce petit frustré qui m'en veut tant. C'est pas de ma faute s'il est abonné que toi. C'est pas de ma faute si tu es suivi que toi. C'est ce qui te fait mal. Si tu veux la faute, tu es suivi par Bill Gates. Mais ça ne change rien sur toi. Tu es toujours sale. T'as compris ou pas? Voilà. Moi, c'est parce que mon papa a bien travaillé en Europe que je vis à lui. Avant de venir, il a pris trois chambres salon et j'ai déménagé à lui. Ma maman est dans le 13e. Au fait, je ne chôme pas de maison. T'as compris ou pas? On n'est pas la même chose, petit malheureux. Mère Contin. Ciao, la Chine.